di sakuli fi yalla raw sen ngor ñong leen di baye ak ñu tonsi mu dem le pourquoi de ceci c'était tout simplement trouver comment alimenter Saint-Louis en eau douce à l'époque coloniale. Bon, là, c'est une initiative de FEDEC qui était à l'époque ici à Saint-Louis. Bon, et qui a finalement abouti avec prière de vie. Seulement, FEDEC a commencé en 1859. Mais le projet a fini par aboutir avec prière de vie en 1880. En 1880, ils ont commencé les travaux de la première usine qui est ici. Bon, et en 1886, elle était déjà fonctionnelle. Seulement en donnant 1500 mètres cubes qui étaient insuffisants pour Saint-Louis qui en avait besoin de 4000 mètres cubes jour. Bon. Mais au fil du temps, dans les années 1899, les techniciens ont dû se pencher sur l'étude d'une deuxième usine plus moderne et plus puissante, en commençant les travaux en 1900, c'est-à-dire la première usine à la Bédémie qui est ici derrière. Bon, et en 1904, elle était fonctionnelle en donnant 2500 mètres cubes par jour. Depuis 1904, le déficit en eau pour Saint-Louis était comblé. Et c'est des machines aussi qui ont fonctionné jusqu'à la veille de l'indépendance, dans les années 1959. Et l'arrêt définitif, c'était en 1963, car il y avait la modernisation et l'apparition des pompes électriques. À l'époque aussi, le village n'était pas électrifié. Bon. Ils ont dû transférer le pompage au niveau de Dakar-Bango. Et jusqu'à nos jours, alors Saint-Louis s'approvisionne en eau à partir de Dakar-Bango. Mais c'est grâce, tout ça, c'est grâce à cette réserve d'eau douce que Kassak, généralement appelé le Gorom Lamsam. Et en 1936, ils ont dû faire l'extension de la réserve d'eau en construisant un deuxième pont barrage à Dakar-Bango, ce qui a provoqué la réserve d'eau des usines ici au niveau de l'international. C'était un site abandonné. Il s'est trouvé même à une certaine période. Les anciens qui s'occupaient du site avaient vendu le ferraille à des brocanteurs. Et à une certaine période de la démolition, nous, villageois, nous nous sommes opposés. Et avec l'appui des maires et de certaines autorités administratives, nous avons pu avoir gain de cause. Et en 1999, les classer comme patrimoine national au niveau de l'UNESCO, mais aussi avec un projet de restauration avec la communauté européenne de Belgique. Il y a le professeur Alleux qui est venu ici faire l'étude du cahier de charges de la restauration. Il était question de restaurer trois sites au niveau de Saint-Louis. C'est-à-dire, la première partie concernait l'ancienne assemblée territoriale au niveau de Saint-Louis. Là où il y a la place FEDEF actuellement, le Réunion Nord et le Réunion Sud. C'est des immeubles qui sont déjà restaurés. Et en deuxième position, la grille à vapeur. Mais nous venons en troisième position. Et depuis, nous sommes en l'attente. Mais nous, villageois, nous nous sommes constitués en association pour préserver le site et d'autre part aussi en matière de tourisme, générer des fonds pour pouvoir autofinancer les autres projets du village, tels que l'école primaire, le dispensaire. Et d'autre part aussi l'agriculture. C'est quand même, nous sommes des agriculteurs. Et tout à l'heure, quand on sera sur la pointe de la colline, on pourra voir, on aura une vue panoramique des environs qui va nous permettre de voir tout ce qui est terrain en matière d'agriculture. Et en attendant, on va faire la visite des lieux et après nous promener vers la colline. Qui fait partie aussi de l'histoire du village de Mahana. Parce que c'est de là-bas qu'est venu le nom de Mahana.